Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Trails Maker, où il nous restait 5% je crois du vaisseau, c'est ça. Donc ça fait deux pièces je crois, alors on va les regarder. Il y en a une ici, et une là, donc il faut absolument qu'on se tape là. Voilà. D'ici, on sait que... Il faut se mettre par là. On sait que... Il faut prendre l'avion. Et oui. Hop là. Hop là. Et on monte. En chandelle. Alors c'est sur celle-là apparemment. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de truc de récup en haut, ça nous permettrait de pas faire tout ce chemin à chaque fois, de remonter en avion. C'est un peu embêtant. Après peut-être qu'avec un véhicule avec une sorte de remorque et un ensemble de petits... De Vera, on pourrait mettre tous les objets dans dans une remorque et sauter, mais pas sûr que ça marcherait bien. Hop là, alors moi j'ai comme l'impression que c'est là, donc on va mourir parce que c'est voilà, parce qu'on s'est chié dessus. Hop là. Alors, ou alors c'est sur celle-là déjà. Alors. Voilà, allez, vas-y, monte. Monte pépère. Ouais, c'est peut-être bien sur celle-là, je sais pas. Allez. On va aller sur celle-là. On s'en approche, donc voilà. Donc on va s'attaquer à celle-là en premier, cette première île volante. Ah mais on l'a déjà fait celle-là. Hop là. Ah il me remet en bas le salaud. Ah ça c'est vraiment un problème. Vous n'avez pas le droit de vous foirer, quoi, sinon vous remet en bas. Bon, on va prendre celle où il y a une sorte de piste d'atterrissage, hein, et on va voir. Allez, caméra, merci. Ce bruit de crincement à chaque fois, il est... Tous les objets font ça, quoi. Heureusement que les vrais avions, ils font pas ça. Hein. Vous imaginez, vous montez dans un 747... Mais pas assez haut. Mais pas assez haut. Ah, il n'a pas l'hélicoptère, ça on sait. Allez! Est-ce que c'est ici qu'il y en a une? Non, non, non. Mais alors apparemment c'est en face, sur une île en face. Là-bas. Clairement, c'est le truc rouge. On va voir si c'est ici. Ils aiment bien les trucs rouges pour la fin. Pour les 2-3 dernières cellules d'énergie, on le sait. Donc, on va se reposer ici. Nickel. Merde. Il m'en met où ? Oh, nickel. Hop. Mets-moi celui-là, parce que celui-là, je sais qu'il est pas rapide. C'est pas grave. Un peu un véhicule de merde, mais c'est pas grave. Ah,
Hop là! Ouais, si, ça doit être ça. Oui, non, non, oui. Cellule d'énergie, donc clairement. Clairement, clairement, c'est ça. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, pour les cellules d'énergie rouge, on sait qu'on doit prendre l'hélico. Maintenant, on a à peu près appris à le piloter. Allez, on y va. On y va. C'est pas bon. Ça pue. Ça pue. Ok. Ok. Adresse. Je sais pas où on va, mais on y va. Là-bas. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. On chute. On chute, on chute, on chute, on chute, on chute, on rallume, on rallume, on rallume, on rallume, on rallume, on rallume, on rallume. Non, en fait, on va pas aller là-bas. Je sais pas où on va, mais on y va. Ok, on va essayer de viser une île et après on ira en bateau s'il faut. Non. Voilà, on tourne. On tourne, la masse est pas bien représentée. La masse est pas bien présentée. Non! On va chuter, on va chuter, on va chuter. Ah! C'est pas grave. Ça, c'est parce qu'on n'était pas bien mis. Allez. On n'est pas bien mis, mais c'est pas grave. On va bien mettre la caméra et on va voler. Tu m'en vises un. Pareil chaud de viser celui-là. Hein. Mais c'est le plus près. On y va. On tente. On tente. Première approche. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Si, on y est, on y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est. On y est. Quoi? Il me reste plus qu'une pièce, c'est celle-là? C'est ça que t'es en train de me dire? Je? Parce que là, tu m'as pas donné de pourcentage, alors que j'ai ramené une pièce importante. Voyons voir. Tentative décollage 0-28 32 72. C'est pas. Ici, Tango Papa Alpha Charlie. En approche par horizon 32. En approche lente. En approche pas bien du tout. Oui, ce sont des termes aéronautiques précis et connus. Évidemment. Vous savez que le AK connaît tout. Il a tout fait. Il sait tout. Surtout dans le nucléaire. Pour ça, pilotage de vaisseaux, d'avions, tout ça, c'est pas mon truc, moi. Moi, c'est le nucléaire, mon truc. Vous le savez. Ok, ok. On perd beaucoup, on perd trop, on perd trop, on perd trop. Voilà, allez, vas-y. Redresse. Hop là! On se présente sur une île. Présente-toi, 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 présente-toi. Nickel. Nickel, smoothie. Smoothie, man. Ok, on est smoothie. Bordel de crotte, c'est par là, pardon. C'est ça? Ouais, ce serait une île par là. Ah, ça passait pas. Oh, 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 oh. Ok, par là.
Pourquoi il tourne plus mon véhicule? Merci. Ce serait là? Là! J'en suis sûr. C'est sur cette île. Sur celle-ci. On y va. La cellule d'énergie. Alors, est-ce que ce serait la cellule d'énergie? Ouais, c'est clairement la cellule d'énergie. D'accord. Allez. On y va. On tente un atterrissage. Smoothie, man. Smoothie. C'est pas loin, hein. Smoothie. Smoothie. Qui veut des smoothies? Allez, vas-y. C'est bon. C'est bon. On s'est posé ici. C'est quoi ça en fait? En plus, on va voir. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit aileron motorisé, d'accord. Alors. Là, je meurs si je le fais à pied. Ah non, mais attendez. Oui. Nickel. Tac. Non. Tac. Voilà. Allez. Allez. On y va. On vise lequel? Aka, tu vises lequel? Un où la charge ne va pas être un problème. Là-bas, la fange. La fange, j'ai fait plusieurs posées sur la fange. Ça s'est toujours mal passé. Donc on retente. Ça se passe très mal. Le vol se passe très mal. Nous sommes emmerdés. Merde. En tournoi. En tournoi, en tournoi. Ok, 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 on l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On la ramène. On la ramène. Doucement, 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 doucement. Posé, 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 posé. Posé presque pas cassé. Alors, maintenant. Celui-là. Oui, oui. Hop! Ok, let's go. Yahoo! Alors, 95% toujours. Donc, c'était absolument pas ça. Donc on va chercher maintenant à la main. Oh, à moins 125 mètres ici? Ben allons-y. C'est par ici, hein? Ouais, à peu près. Allez. The sous-marin. Nautilus, c'est parti. Le Nautilus. Aïe. Aïe, ouille. Ah, on était dans la mer. Attendez, hop là. Ok, c'est par ici. Attention, on n'est pas à moins 125 mètres, sûr. Donc c'est une grotte. Donc on doit aller là, descendre et chercher une grotte. C'est parti. Cherchons une grotte. Là, ici, on peut descendre ici, on peut en plonger,
Plongez-moi rapide, s'il vous plaît. Plongez rapide, plongez rapide. Grotte trouvée, grotte trouvée, grotte trouvée. Ok. On s'arrête. Remontez le nez. Voilà. Hop là. En stabilisation de plongée. Stabilisation de plongée. Stabilisation. Plongée non stabilisée. Voilà. Plongée stable. On y va. Moins rapide. Plus rapide. Moins rapide. C'est quand même bien d'avoir des trucs automatiques hein, sur les vrais sous-marins maintenant. Et genre, ils disent 3 degrés et en fait les ballasts se chargent et se déchargent assez pour descendre à 3 degrés. C'est ça, c'est cet objet. À l'avant. Encore une cellule d'énergie, c'est pas possible. Les cellules d'énergie me rapportent plus de pourcentage, donc ça ne doit pas être ça. Bon, on va quand même la ramener parce qu'on est là. Et donc on n'est pas des chacals. Bon, en tout cas, on aura plein de cellules d'énergie en rab. Et on va pouvoir finir le vaisseau. Ouh, hop là. Allez. Ok, on y va. Comme quoi, dans ce jeu, vous avez, il vous manque un objet, vous êtes vraiment dans la merde. Genre pour les avions, on a galéré pendant 20 ans. Et en fait, il me fallait juste un objet qui s'appelait le cerveau moteur rotatif, là, qui se trouvait dans l'eau. Voilà. Je trouve ça un peu mal fait. Le pathfinding du jeu n'est pas forcément bien. N'est pas son point fort, quoi, on va dire. Malheureusement. Voilà. Alors. De là, on fait ça. De là, tu prends ça. Oui. De là, tu fais ça. Hop, hop. Recule, bordel! Merde. Chier. Hop là. Oui. Ça aussi c'est un problème du jeu. L'aimant est un peu un problème dans le jeu. Voilà. On y... Oh non ! Les caméras sont un problème dans le jeu aussi. Ça aussi c'est un problème dans le jeu. Voilà. Allez hop. Attendez, qu'est-ce qui me manque pour faire le vaisseau? Un aileron simple motorisé et un moteur à réaction dragon. Alors, donc déjà l'aileron simple motorisé, on l'a vu, il était là-haut. Il était là. Ah non, ça c'est un petit aileron. Moteur d'hélico. Pièce de récup. Grand hublot. Ouais.
Petit canon, pièce de récup. Ah, cellule d'énergie, mais ça on en a plus besoin apparemment. Donc on n'a pas besoin d'aller voir. Cylindre. Non. Non. Ah, là il y en a une, mais là je pense que c'est une cellule d'énergie, moi. Des grilles, on s'en fiche. Cellule d'énergie. Par là, il n'y a rien. Dans la map, hein, je parle. Attendez, je vous mets en pause. Ok. Ok. Je sais ce que je dois aller chercher. Alors, il y en a un là à aller chercher, donc on va aller le faire. Aïe. Et après, il me restera plus. Je sais ce que c'est comme objet, donc je peux vous dire que après, il me restera plus que le moteur dragon à aller chercher. Le moteur à réaction dragon, pardon. C'est le moteur Z machin. Sur une des îles là. Ouf. Alors je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas du tout laquelle. Alors en vrai, il est au-dessus de ça normalement, donc ça doit être là. Il doit être là quelque part, sur cette île là. C'est d'après le jeu, il est au-dessus. Il doit être à peu près là. Bordel. Je me suis fait avoir encore une fois par la caméra qui est pas smoothy du tout. Donc il est pas là. Parce que là normalement c'est que les trucs logiques. Peut-être sur la petite qui est là. Allons-y. On y va. Pour aller sur la petite qui est là, et bien déjà on va monter, mais on va faire ça plus intelligemment. Déjà on va faire ça comme ça. Il manquait un mètre quoi, sérieux, on recommence. Et on n'aurait même pas vu si c'était celle-là. Allez, on y retourne, on y retourne, on y retourne. On y va. On y va. Non, un peu moins. Je caméra. Caméra, qu'est-ce que tu fais? Moussi. Yes, c'est celle-là. Ok. B.
Ok. Hop. Hop. Et celle-là, c'est pas une qui explose, donc en vrai, on pourrait l'acheter. Mais vous me connaissez. Je suis devenu un champion du monde de cet hélicoptère. Qui n'en est pas un. Champion du monde, hein, comme je disais. Meilleur pilote du monde de drone. Allez. Là, hop, j'aurais pu l'acheter par exemple. Et ça aurait très très bien fonctionné. Mais ça va aller. C'est là tout ce qu'on a à faire, c'est s'écraser. Sans mourir parfois. En vrai, on s'en fout de là où on atterrit. Tout ce qui compte, c'est d'atterrir. Ok, j'ai l'impression que je vais aller là. Voilà, on a stabilisé l'appareil. En avant. Nous visons celui-ci. Un peu plus en avant. Un peu d'accélération. On arrête un peu. Voilà. Attention. J'ai des vibrations dans les pédales. J'en ai pris une. Oui, quel posé. Eh ouais, les gars. Ok, je vous mets en pause. Logique. Logique. À votre avis, où est le Dragon Jet? Je vous le donne en ligne. Là-haut. Et pas là-haut n'importe où, hein. Là-haut au centre. Allez. Là-haut au centre? Oui, là-haut au centre. On y va. Et y'a quoi là-haut, Montiaka? Vous allez le voir. Votre avis, c'est quoi? C'est un volcan. En effet. Alors ça, ce sont des shields, hein, ce qui est autour du volcan. Certainement pour se protéger de la lave. On va voir si c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il refait n'importe quoi. Il refait n'importe quoi. Je disais du bien de lui et il refait n'importe quoi. Ok. Alors, donc, quand l'hélicoptère fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend autre chose que l'hélicoptère. Un truc qui fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire l'avion. En vrai, l'avion, lui, il marche bien. Il marche beaucoup mieux que l'hélico. Et même pour atteindre ça, vous allez voir, on va faire ça en smoothie. Alors, comment ça marche? D'accord, ok, j'ai vu. 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 Je voulais m'arrêter pour voir comment ça fonctionnait là en dessous, hein, mais j'ai vu. Ok. Ok, vu. Pourquoi mon avion? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu que l'avion, je le plaquais et en fait il continuait à. Et je ne pouvais plus le diriger. Très bizarre.
bordel, j'ai pas vu ce que je faisais. Vas-y, éloigne-toi du volcan et reviens. Peut-être plus simple. Ouh, bordel de bite à cul. Vous connaissez maintenant cette expression hein, mythique, dirons-nous, dans ce jeu. Voilà. Là on est loin. On va pouvoir monter plus smooth. Quoique, pas si smooth que ça, on arrive vite quand même. Oui, non, on a loupé le posé, donc il ne nous compte pas. Hier c'était un posé vraiment dégueulasse hein, donc je valide. Je valide que le jeu ne me le compte pas. Validation. Là par contre j'ai touché. Ça parce que j'ai pas pu faire B pour faire une réinitialisation. Remonte. Qu'est-ce qu'il me fait? Faites péter les chamallows, hein? Ah, tu es entré dans le volcan, d'accord. J'aime bien la petite pop-up qu'il y a quand tu essayes de piloter un avion. Je trouve ça toujours génial. Merci les achievements que j'ai horreur de ça. Vous le savez que j'ai horreur des achievements. Et je fais des posées dégueulasses, mais d'un côté c'est hyper dur de se poser là-dessus. Hein. J'arrive pas à avoir l'angle pour me poser sur ce foutu volcan. Après, qui a l'idée de se poser sur un volcan en avion? À part moi. Il est pas pratique hein, l'avion. Et là, regardez comment il a tourné l'avion. Regardez comment il a tourné. J'essaye de le faire tourner, il tourne jamais. Et là, regardez comment il a tourné d'un coup. Lol. Caméra, par contre, si tu pouvais m'aider un petit peu, s'il te plaît. Merci. Voilà, je préfère. Merde, 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 merde! Bordel! Sérieux, quoi! Oh, on avait le bon angle et tout, et là, je me suis chié dessus! Par contre, caméra, pourquoi ma caméra, là, elle bouge? Une caméra qui se met dans l'avion, quoi! Merde, merde, merde. Bon, ben, c'est la fin. Je suis tombé dans le volcan. Ah, bordel. Et après, il faut aller chercher le truc dragon, là, et le ramener. Fais-moi poser smooth, s'il te plaît. Et merde! C'est petit? Ouais, c'est petit. Donc l'hélico n'aura pas de problème à aller le chercher. Bon, vous savez quoi? On va le tenter en hélico. Pourquoi je peux pas avoir mes hélicos? Merci. Merci pour me donner mes véhicules de temps en temps.
Il faudrait des roues de camion. Siège de carte. Néroglisseur. Hélico-nuage. Siège de conducteur, moteur d'hélicoptère, pelle d'hélicoptère. Ok. Certainement un hélicoptère plus pratique que celui-ci. Pourquoi? Voilà, il recommence. Ah, pourquoi il est parti vers l'arrière alors que je lui demandais d'aller vers l'avant? Alors là, les gars, on tombe quelque chose. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Arrête de faire les pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Mais visiblement, quelque chose que je ne demande pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il plonge, il plonge, il plonge, il plonge, au secours, 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 au secours. Qu'est-ce qu'il fait? 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 Je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à gauche. Et lui va à droite, et lui va à droite. Bon. Punaise, dès que je joue avec cet hélicoptère, c'est la mort assurée, quoi. C'est fou, ça. Il est vraiment mal fichu, hein. Il n'y a pas d'autre entrée dans le volcan que passer par en haut, hein. Allez. Alors là, pareil. Pourquoi il tourne? Pourquoi il tourne? Pourquoi il tourne? Pourquoi il tourne? Dites-moi, 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 qu'est-ce qui se passe? 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 Je comprends pas. Là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne touchais à rien. Je ne faisais qu'aller vers l'avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière pour justement stabiliser sa montée. Et il est parti en cacahuète. Commencé à aller dans tous les sens. Je ne comprends pas des fois comment cet hélico fonctionne. C'est hallucinant. Là c'est pareil, l'avion qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il part tout seul à... Voilà, là c'est bon. Yes, on a réussi à poser. Ok. Ok, donc maintenant on va réapparaître là, si je dis pas de conneries. Tournez. Tourne. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? L'hélico, vous avez vu ce qu'il a fait? Est-ce que vous l'avez vu ce qu'il a fait? Oui, je suis sûr que vous l'avez vu et que vous n'avez pas compris comme moi. Il n'arrive pas à freiner l'hélicoptère hein, quand vous allumez les pales. Ok, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Je veux une explication. Cohérente, s'il vous plaît. Et comment on fait pour aller là, quoi? C'est impossible. Voilà. Ah bordel! Comment on fait pour descendre là? C'est le dernier truc qui me manque là. Et là ça devient très très fatigant. Mais regardez, mais pourquoi cet hélicoptère part dans tous les sens? Pourquoi? Bordel de Dieu! Alors là j'ai été propulsé.
Il ne sait pas, il ne fonctionne pas. Cet hélicoptère ne fonctionne que en vol stationnaire en fait. Enfin, qu'il ne peut pas faire d'ailleurs. Pourquoi je peux pas faire du vol stationnaire avec cet hélicoptère? Sérieusement. Pourquoi? Redresse. Bordel. Pardon. Ça va aller, hein. Comment on fait pour aller là, en fait? Sans être emmerdé, aller devoir chercher des pales d'hélicoptère et tout. Si j'ai pas envie d'aller chercher le moteur et les pales d'hélicoptère, on a vu que c'était des gros trucs. Qui sont très chiants à aller chercher. Donc j'ai pas envie de me casser le cul à faire ça. Et comment il y a le mec qui fait pour faire un speedrun en une demi-heure de jeu? Pourquoi l'hélice? J'ai vu qu'il y a une hélice de côté qui s'était allumée alors que je n'ai absolument jamais... Là c'est moi, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas comment il fonctionne et ça m'enquiquine énormément. Mais là, pourquoi il est... Attendez, mais comment ça se fait qu'il parte en avant comme ça? Sérieusement. Mais là, tu peux pas partir en avant. Je te demande juste d'aller à droite. Pourquoi tu vas en avant? Mais pourquoi là, il était en avant? Je lui ai demandé juste de décoller. C'est impossible à viser ça, quoi. Je vous mets en pause. Et c'est le GG. Ah, je vous dirai pas comment j'ai fait. C'est un secret. J'ai retiré les poils avant, en fait. Qui ne m'aidait pas du tout, pour le coup. J'ai réussi à poser, hein. Donc là, maintenant, il me faudrait peut-être les poids à l'avant, en fait. Ok, bouge pas. Gadget, poids. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois rien. Caméra. Cette caméra des enfers. Pourquoi je peux pas aller vers la droite? Ok. Attention que c'est un truc explosif en plus, hein. Ok. Je vois rien avec ma caméra. Putain de caméra, de bordel de bruit à cul. Tout va bien. La caméra n'est absolument pas enquiquinante dans ce moment. Absolument pas. Non. Alors. Par contre, je voudrais la caméra. Voilà. Celle-là. Ok.
Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, tourne à droite. Tourne à droite. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là ça n'a pas marché? J'ai exactement fait la même chose. Je veux dire, arrivé un moment, moi, si je fais la même chose, le jeu doit réagir pareil. Ce qu'il ne fait pas. Je fais la même chose. J'appuie juste sur... Merde. R2. Pourquoi? Voilà, voilà. La descente dans l'enfer. La descente des enfers. À certains moments, je remettais mes lunettes. Mais qu'elle fait la caméra? Qu'est-ce qu'elle me fait? Sérieusement, quoi. Merci la caméra, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle m'a mis dans le cockpit comme ça, gratuitement? Alors. Mais regardez ce qu'il fait! Il ne fait pas les mêmes choses suivant. Je fais les mêmes touches et il ne fait pas les mêmes choses. Donc là, je ne peux pas comprendre. Arrivé un moment, si dans un jeu, tu appuies sur en avant, ton véhicule va en avant. Il ne fait pas autre chose. Oups. J'ai oublié de... Ok, en arrière. Pourquoi il y a celle du côté qui s'est allumée? Excusez-moi, hein, c'est l'émotion. Pourquoi celle du côté s'allume quand j'appuie sur en avant? Que me fait le jeu? Pourquoi le jeu a décidé, là, maintenant, instamment, de me casser les noix? Parce que je suis au dernier objet, hein. Donc, voilà. Regardez ce qu'il fait. Il fait pas comme d'habitude. Mon hélicoptère ne fonctionne plus. Je ne peux pas y arriver. Je me remets en pause. J'essaie de sortir de ce volcan de merde. Ok, on va retenter. Pourquoi dès que j'allume la caméra, dès que là je vous rallume, l'hélicoptère fait nimp? C'est vrai, c'est fou ça. Ça fait deux fois que j'arrive à remonter, mais que j'arrive pas à me poser. Et là je rallume et tout de suite il fait nimp. Tout de suite il fait nimp. Compense. Bordel de bite à cul. Pardon. Et là c'est la tourmente, hein, parce que là le jeu m'a remis dans... Ok. Je sais pas pourquoi des fois ton véhicule il réapparaît pas. J'appuie, hein. Pourquoi mon véhicule n'apparaît pas? Merci le jeu. Ok, merci le jeu. On aime les jeux vidéo. Un jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser, tu vois. Là, je ne m'amuse pas. Mais pas du tout. Comme je disais au jeu en off, en l'insultant, hein, de tous les noms. Là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller me coucher parce qu'il est très tard. Et je peux pas. Parce que le jeu m'en empêche. Parce que le jeu, t'es pas marrant. En fait, là. Tu vois? Là, le jeu est chiant. Ok, compense. Mais. Il sait plus le soulever. Est-ce que vous avez vu comment j'ai galéré à soulever? Pourquoi? Mais pourquoi? Juste pourquoi? Là, cet épisode, ce sera... Alors, l'épisode d'avant, c'était champion du monde, hein. Et l'épisode, c'était champion du monde. Et là, ce sera pourquoi, le titre. Sérieusement, quoi. Et là, voilà. Je recoupe la caméra, parce qu'apparemment, dès que vous êtes là, l'hélicoptère fait n'importe quoi. C'est assez perturbant. Regardez ça. Il m'a jamais fait ça tout à l'heure. J'ai réussi à remonter les deux fois, ça a été nickel. J'ai pu compenser à chaque fois ce qu'il me faisait comme connerie. Et là, je peux pas du tout compenser, quoi. Je ne comprends rien du tout. C'est extrêmement énervant. Ok. Compense.
Mais regarde, mais pourquoi il part en avant comme ça? Recule. Tu ne peux pas reculer. Car le jeu, l'idéal, me casse les bonbons. Bon. Je remets pause et quand on arrive, tentative d'atterrissage. On a réussi à sortir du volcan après 1h30. Là, ça fait vraiment littéralement 1h30 que j'essaye de sortir du volcan. Donc je suis extrêmement fatigué. Extrêmement fatigué. Comme je l'ai dit, j'ai juste envie d'une seule chose, là, c'est d'aller me coucher. En fait, il faut que j'essaye de perdre un peu de vitesse pour descendre, voilà, mais pas trop pour pas trop accélérer et tenter un posé smoothie ici. Attention, il y a des arbres quand même. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on y est? Oui! Je pourrais aller me coucher. Non, j'ai vraiment mis plus d'une heure à sortir du vaisseau. Donc en fait, je vous ai coupé. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'insultes envers le jeu. Un peu plus que je n'aurais aimé. Donc voilà. Ça y est. On a enfin fini. Alors. Ah, il le construit tout seul. Oui. Tu as réussi à retourner dans l'espace. Dans quelques années-lumière, tu seras de retour à la maison. 22 jours et 20 heures, 113 sur 164. Chasse aux pépites, je ne sais même pas ce que c'est. Continuer, c'est quoi? D'accord, on peut continuer le jeu. D'accord. Mais est-ce que je peux faire le vaisseau et juste, voilà, et jouer avec? Ah oui, on peut jouer avec le vaisseau. Bien. Oui. Ça donne quoi, du vaisseau, s'il te plaît? L'intérieur du vaisseau. Oh. On dirait pas le cockpit du Millennium Condor. Alors, est-ce qu'on peut aller vraiment dans l'espace à la main comme ça? On va tester pour la fin du jeu. De toute façon, on a fini. Après toutes ces insultes sur le jeu. Ou alors c'est une skybox. On va voir. Quel vaisseau? En tout cas, quitter une planète à 250 km/h, je suis pas sûr que ce soit très très possible. Ouais, c'est une skybox en fait. Ok, tant pis. C'est quoi la vitesse max? En piqué. On est en piqué là. 400 km/h. Ça a pas explosé avant? Vous êtes sérieux? Là, on peut peut-être atteindre un peu plus. On arrive à monter à 432. Ben non, ce sera 432. Capitaine, il faudra peut-être essayer. Non! Je me suiciderai!
Jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ça explose? Ah, c'est bien fait ça, on est. Alors, je sais pas où est-ce qu'on est là, mais. Ah, mais en fait, d'accord, je suis complètement sorti de la. D'accord, on va voir les dessous du jeu, les gens. Regardez ça, j'ai complètement fait bugger le jeu, trop bien. Voilà, on va finir sur ces images de bug du jeu. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Ah, on meurt.